Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle cartouche Evercade. C'est une cartouche de 10 jeux. Voilà, c'est la Mega Cat Studio. Oula, la Mega Blast de 4. Des jeux 8 et 16 bits que je ne connais pas. Enfin, je regarde. Peut-être Little Medusa me parle. Voilà, donc 10 jeux pour 18 euros. Comme d'habitude, c'est pas forcément excessif. On va jeter un coup d'œil, voir un petit peu ce que sont ces jeux, quoi. Alors, Almost Hero, bah, apparemment, c'est un beat'em up. Bon, il n'y a pas 36 000 touches au moins. On va pas être embêté. Un player. Voilà, allez, hop. Oula, Bonsai, capitale du monde. Et voilà, Chokan. Ok, oui, donc effectivement, ils font des bonsaï. Hein. Il me semblait que je me trompais, mais non, c'est ça. C'est l'île des bonsaï. Allez, viens ici, toi, je te shoot. Ah. On a pris le dojo. On peut pas sauter. Non, on peut pas sauter, on peut juste taper, en fait. Oula, c'est quoi, ça? Tortue Ninja. Ça a dû être programmé pour une S, parce que c'est qu'il y a dans tous les sens, les sprites. Ici. Alors peut-être qu'on pouvait récupérer la carapace en fait. Les cheveux, il a dit. Ah, c'est quoi ça? Ah, oh, j'ai pas l'impression qu'on peut. Il tourne. Bordel. Bon, on va essayer autre route. Hein. Les égouts. Ça vaut pas un double dragon. Par contre, il y a du courant. Et le courant m'entraîne dans la gadoue là. Voilà. Et ici, on va voir si tu peux te faire tomber. Ouais, la gestion des collisions est un peu space, hein. D'accord, en fait, à chaque fois qu'on les tue, on récupère des graines, je pense. Des graines de bonsaï, c'est pas hyper facile. Hein. Ok, ça c'est le pied, ça c'est les points. Ah, ici, on peut sauter. Comme nous, le dragon, il faut appuyer sur les deux boutons. Taïo! Allez, viens ici. Ouais, je vais voir si je peux récupérer la carapace. Ah ouais, je peux la jeter, c'est bon. C'était l'autre bouton. Ah non, je suis tombé! Quel enfer, ce jeu. Voilà, en fait, c'était le bouton point pour jeter. Bon, écoutez, ça peut être sympa, je pense, pour les fans. Ça vaut pas les jeux avec des grosses têtes sur les. Sur un... Ah, c'est qu'il y a dans tous les sens. Ouais, je peux revenir ici. Ah, mais je peux récupérer le disque. Allez, viens ici, toi. Ok, bon, je l'en ai vu. Hein. On va aller voir Coffee Crazy, sa crise du café. Voilà, ma petite Sarah. Un beat'em up, voilà, jump, attaque, ok, bah ça va pas être compliqué. La petite Sarah, la crise du café. On va prendre Ashley. Ashley de 4. Voilà, il n'y a pas longtemps, dans une galaxie proche de nous, le diabolique Smurkléen, non, la race diabolique des Smurkléens est venue sur la Terre. Ils ont volé le Wi-Fi. Ils ont fait leur internet. Ils ont créé le Smurnet. Et ils ont volé tout notre café. Qu'est-ce qu'elle a dans les mains, ma petite HT24 DVC? Allez, on va shooter les aliens. Allez, viens ici, l'alien. Tiens, prends ça. Je vais faire mon spécial. Ouais, donc il y a une touche pour spammer. Ah bah, elle est morte. Ah, c'est dur le jeu, hein. Restart to continue. Bah oui, je continue. Je sais pas ce qu'elle a des mains, on dirait un pichet d'eau. Ou un mini WC. Thank you.
quelque chose ici. C'est déjà fini? Ah, il est password, heureusement. Voilà, qui c'est Monsieur Pince. Serre-moi la pince. Ah, il va nous détruire. What the F was that? Je sais ce qu'elle a voulu dire, la place de F. Après, il y avait un U. Allez, on y va. C'est bizarre ce truc. Ça me fait penser à quelque chose. Et là, tu as son chapeau sur la tête. Ce sont les aliens. Allez, papy. Oh mon dieu, un petit papy geek. Y'a quoi dans la poubelle? Des graines de café. Il dit, par contre, j'ai pas beaucoup d'ennemis, hein. Oh, c'est quoi ça? Une année week-end. Oh, papy geek. Allez, viens ici, toi. C'est pas Wendy, parce qu'elle est pas blonde. Tiens, encore du café. Viens ici, pépé. Encore morte? Ouais, c'est des petits jeux indés, on dirait, mais pour l'instant... Voilà, ça me marque pas, ça veut dire. Un VLC. Oh, ça rame. Et si, Hélène. Pampan dans la tête. Ah, attends, je prends la batte de papy. Laisse-moi venir, papy. Dégage, pépé. Voilà, maintenant, j'ai la batte. Je suis Batgirl. Qui veut se battre? Oh putain! Le mec a sorti le truc. Attendez, je vais récupérer ma batte. Allez, le déambulateur, allez! Viens ici, Alien. Je vais te faire la main, toi, tu vas voir. Bon, le deuxième niveau, il a l'air plus long que le premier. Y'a quoi dans la poubelle? La musique est horrible, je trouve. D'accord, en fait, j'ai un donut de vie qui est là ou pas. Allez! Ok, bon, écoutez, c'est pareil, ça casse pas trop patin, canard, celui-là. Creepy Brawlers, on va voir ça. Ouais, c'est que des jeux du studio Mega Cat. Voilà un chat avec une manette style Super Nintendo dans les têtes. Allez, on va faire le championship, si on fout. On peut choisir un alien. Ah, mais il est verrouillé de toute façon. Donc on va commencer avec Spooky. Ah, on fait son tutoriel. J'ai peut-être dû regarder le tutoriel finalement. Ah mais je suis en bas moi, ou en haut? Ah je suis en bas en fait, d'accord. Ah je suis en bas, c'est comme le jeu de boxe qu'il y avait sur NES à l'époque quoi. Allez viens, bah, je spam les touches hein. De toute façon apparemment il y a deux touches quoi, il y a droite et gauche. Voilà. Allez viens ici, hop. Hop, hop, hop là, dans le pantalon, dans la tête, dans le pantalon, dans le ventre. Allez, on vise la tête, voilà. Et on peut se protéger en faisant comme ça. Là, je me protège. Ouais, ouais, ça me rappelle le jeu de boxe qu'il y avait sur la NES. En moins coloré. C'est lui qui a gagné. Ok. Pour l'instant, je suis pas transcendé. On va voir ça, justice duel. Y'a quoi comme commande? Shoot et jump. Ok, on va voir ça.
Theme Park. Ok, jouer sur un jeu du parc d'attractions. On va appuyer sur Start. New Game. Multiplayer, dis donc. Ah, je vais prendre le Gérali. Ah, j'ai appuyé là et ça nous revient d'ailleurs. Allez, il faut appuyer sur Start. General Lee de Duke, ouais, ça vaut pas rien. Sheriff, fais-moi peur. Les frères à Duke. Et la voiture General Lee. Bon, je zappe un petit peu, sinon la vidéo va être longue. D'accord, en fait, il faut tuer les fantômes. Allez, on peut aller de l'autre côté comme ça. C'est très très orange ça, celui-là du jeu. Ouais, donc on peut voilà voler. Apparemment il y a un truc là-haut, une hache peut-être. Ah ouais, d'accord, c'est une hache. Je l'ai eu avec la hache. Allez, la vague 3, Tayo, je t'ai eu. Sauvons les Amériques. C'est spécial, je trouve. Voilà, c'est très spécial comme jeu. On va changer de jeu. Allez, Little Midiza, ça me parle. Faut créer une pierre, on va voir, Petrifying. Oh, ils ont changé l'intro. Regarde-moi cette tête. Les cruels titans ont été emprisonnés pour des années. Et les dieux de l'Olympe étaient tranquilles. Ils vivaient dans la prospérité. Voilà, regardez, je suis le plus bel homme. Dites donc, elle est mignonne, elle va pas être transformée en méduse, elle. Regardez comme je suis mignonne. Mais voilà, le diabolique esprit est arrivé. Il a lancé un cruel plan. Et voilà, le matin s'est réveillé, les cheveux étaient bourriffés, transformés en serpent. Ah mon dieu! Allez. Donc il faut que je comprenne ce que je dois faire. Ok, j'ai transformé en méduse. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire avec eux. Ah d'accord, il faut les pousser, ils font une route. Donc il faut que je le givre au bon instant, au bon endroit. Allez, viens ici mon petit. Non, pas trop près là. Voilà, et hop, ça fait la route. C'était tout simple. Je sais, j'aurais dû lire le mode d'emploi.
Level 2. Ouais, donc en fait, on se crée un petit truc. D'accord, et en fait, il faudra faire de la route au fur et à mesure. Ben, dis donc. Et viens ici, t'as venu me chercher. Ah non, il m'a sauté dessus! Il m'a sauté dessus, il m'a pétrifié! Oui, non, ça a pas l'air facile comme jeu. Celui-là a l'air sympa, mais il n'est pas facile, facile. Hein. En tout cas, j'aime bien le graphisme là. Alors, il reste quoi? Pour l'instant, j'ai pas vu de jeu 16 bits. Hein. Logjammer. Ah, bah, il n'y a qu'une touche. Ça, c'est toujours du 8-8. Voilà, lanceur de hache. Oh, Sarah me cherche. Elle a sorti les ciseaux. Quelle exhibition. Contre la fille, tiens. Oh, regardez, il y a un truc, ça va hyper, ça. Excrément, et pas excrément. Le niveau des caca à reprendre. Ah, c'est un windjammer, en fait. C'est un windjammer du pauvre. Mais c'est illisible, en fait. Hein. C'est ça, c'est un windjammer du pauvre en trois couleurs. Windjammer du port! Ah mon dieu! Il faut peut-être faire un mot avec le U là! Mais ça va tellement vite et ça clignote que voilà! En plus, on est à la fosse à caca là! Elle a gagné une partie! Un coup de chance, c'est remarque. Hein. Oh là là. Et purée que c'est moche. L'idée est sympa, hein, je trouve. Mais les couleurs sont criardes. Bon, bah, j'ai perdu. Là. Ah, les windjammer du pauvre. Ah, sérieux. Allez, bon, celui-là, j'espère qu'il est en 16 bits. Il nous reste 4 jeux. 2019. Ah, là, c'est 2014, hein, le jeu. Ok, il faut colorer. Ah, il faut juste rattraper les cases. Ah, maintenant, il fallait que je rentre les deux persos, d'accord. Regardez, lui, il va dans la case. Et après, je prends l'autre qui est à côté. C'est un jeu de puzzle, voilà. D'accord, et en fait, on peut alterner les joueurs, comme ça, voilà. Et il peut y aller. Il est coincé. Je vois pas le truc là. Parce que s'il passe sur la case, ça va se colorer. C'est ça le problème? Voilà, j'ai pas le choix quoi. Ah non, on va faire le tour. Oh, je suis bête. C'était si simple.
Voilà, je suis épuisé de faire le tour. C'est tout simple. Ah non, j'ai pas eu qu'il y ait des pics en bas. Ah, mais on peut détruire les cases, mes obs. D'accord, j'ai pas fait gaffe qu'on veut détruire les cases. On va déjà faire gagner l'autre. Ah, il peut pas. Tout à l'heure, on pouvait, mais on peut pas. Alors, apparemment, attendez, il y en a un qui peut et l'autre il peut pas. Donc, lui, on va le mettre en haut et normalement, je peux faire un trou dans la case alors. C'est ça, il y en a un qui peut percer et l'autre il peut pas. Ok, il y en a un qui peut percer et l'autre il peut se déplacer dans les airs. Alors elles sont où les carrés? Ils sont là-haut. Donc lui il peut... Ah attendez. Il peut peut-être descendre faire un pont. Ça va être ça. Voilà, lui il descend, il fait un pont. Et on fait un pont pour l'autre. Et pourquoi là je peux pas passer puisque là ça s'est mis devant. C'est bon. Ah il est sympa ce petit jeu de puzzle. Tiens voilà un petit jeu intéressant dans la compil. Enfin intéressant à mon goût. Ouais. Ah ben là on a que deux qui peuvent voler. Enfin voler. Ah même pas. Ok. Non, je me suis trompé. Allez, il faut appuyer là-bas. Et là, je vois pas du tout. Alors attends. Parce qu'on a deux têtes plates. Ouais, alors il peut pas rester autre. Ah écoutez, multi pub, bib, mais elle a l'air sympa quand même. Multitude, voilà. Il est sympa. J'aime bien celui-là. Allez, il nous reste 3 Old Towers. Ah voilà, un 16 bits. Un puzzle game. Switch et Switch, oh, bon, on va voir. Ah, ouais, 16 bits, on a la voix digitalisée quand même. On dirait une démo Amiga. Hall Tower. Ah mais la musique est en copyright dessus celle-là. Il va y avoir un copyright sur la musique celle-là. Oh. Ah ouais, le jeu, je comprends le principe. Oh, d'après comment on passe à niveau, ça je sais pas. Ouais, ça c'est le reset. Fait juste tout est facile. Ah ouais, j'avais juste rentré les cubes en bas.
tout ramasser sans se faire toucher. Voilà, hop là. Et là, on peut redescendre. On va ici. Et on remonte. Et le cube va être en bas. Voilà. Ouais, ils sont plus sympas, vous voyez, pour les jeux de puzzle que les beat'em up qu'ils ont créés. Ah là, je peux pas passer, donc il faut redescendre. Voilà. Sympathique celui-là. Ouais, donc il faut que je m'arrête là-bas, que je fasse le tour. Ici, à droite. Je veux pas qu'on peut descendre là-bas, contre. Je n'ai pas dû monter là-haut, donc il faut revisiter le stage. Bon, là, j'ai tout fait ce qu'il fallait ici, voilà. On n'a plus besoin de redescendre. Donc là, normalement, ça va être bon. On va ici, là, et voilà. C'est tout bon. Sympathique, l'Old Towers. Et lui, une multitude, pour l'instant, sympa. Donc, Super Painter à voir, encore un puzzle, je pense. Ouais, un puzzle. Découvrons ça. Super Painter. Voilà, en fait, il faut prendre les cases en verte. Et la porte apparaît. Évitez bien sûr les ennemis. Celui-là. Ah merde, il a un petit style Donkey Kong, je trouve. Le truc d'époque, hein, il fallait monter les échelles. Allez, c'est passé le chat. En fait, on peut jouer la prudence comme ça. Bon, il est moins, en même temps, c'est un 8-bit, je crois, moins perfectionné que l'autre. Ah là, ça devient un peu plus complexe. Oh merde, je tombe en plein sur le chat. Miaou. Pas tomber parce que sinon on pourra pas remonter ici. Voilà, un peu de verre ici, un peu de verre ici. On prend l'échelle, un peu de verre à droite, à gauche. Et là on va attendre que les chats passent. Et on monte à la porte, ok. Ouais, les jeux de puzzle sont sympathiques. Il nous reste un jeu, Tanzer. Ben voilà, sur 10 jeux, moi, il y en a 3 que j'ai bien aimé, c'était 3 de puzzle. Un hack and slash, oh oh. LGDK, c'est le kit pour faire les jeux. Oh, ça c'est du 16 bits.
Tout ce que j'ai toujours voulu avoir, c'était danser. Dance, dance. Son cadence. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Allez, start. Année 1872, bah dis donc. Mon partenaire était le premier à trouver ça bizarre. On peut pas tirer et avancer en même temps. Voilà, il s'est fait toucher lui. Et les mecs qui ont fumé, c'est quoi ces graphismes? Enfin, les têtes de chevaux, la diligence qui explose. Voilà, c'est là que j'ai trouvé la Selson. Bon, les bonus, ça aurait pu être autre chose que des petits trucs dorés, non? Ça me fait penser un peu à Shadow of the Beast, mais en beaucoup moins joli. Hein. Ah oui, j'ai que 3 carrés de vie. Oula, c'est quoi cette tête? Et ça, c'était un bonus qui s'envolait. Il y a un petit en diagonale quand même. C'est quoi cette boule? On peut pas revenir en arrière. Ah, la tête en boule. C'était le boss. Là oui, il y a un truc. Un bonus. Ouais. On peut passer par le bas. D'accord, on peut se transmuter. Est-ce qu'on peut acheter ça? Mais non, j'ai 35 crédits. Je peux rien améliorer. Voilà, c'est qui? Oh là, j'ai coupé la tête, dis donc. C'était le shérif de Walking Dead. Un chariot comme dans Tasmania. On peut monter dedans? Ah oui, on peut. Les mauvais souvenirs des chalets dans les mines. Je sens mal ça. Il y a des oursins. Ah, une danseuse, tiens, voilà, on parlait de danseuse. Et là, je vais où? Ah, on peut faire un double saut, waouh! Faire la pirouette. Je joue plus le truc. Je vous avoue que le design est un peu space quand même. Hein. Game over. Ah oui, game over. Bah écoutez, voilà, on a vu les 10 jeux. Hein. C'est spécial après. Alors attends, on va quitter le jeu. Voilà, il y a 10 jeux, ça coûte quoi? Ça fait 1,80€ le jeu. Et perso, les 3 jeux qui m'ont intéressé, c'était Multitude, le Hold Tower qui est vraiment sympa, avec la musique rétro. Le Super Painter aussi. Un Little Medusa, mais qui a l'air dur. Hein. Par contre, les Beat'em Up, moi j'ai pas accroché là. Trop dur. Le Lockjammer, donc c'est le Windjammer. C'est à voir, mais c'est très fouillis. Et le Dancer est spécial. Donc écoutez, on a fait le tour de cette compilation. Je vous rappelle la Mega Cat Studio Collection 1. Voilà, des jeux indés à voir, à découvrir. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos avis sur les jeux. Si vous l'avez essayé, ce que vous pensez, vous, de ces jeux.
Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!